Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Arvernes, dans lequel nous jouons, nous incarnons, si je puis dire, Vercingétorix, qui est barré je sais plus où lui. C'est pas lui? Ouais, qui est barré là-bas. J'ai mes appels. Ah oui, il y avait un débarquement Venette, ouais, je l'avais oublié ça là. Ils ont la portée, hein. Est-ce que je prendrais pas un petit général pour défendre ici? J'avais totalement oublié là. Qu'on avait ce souci. Ouais. Ah. On va prendre Vepia. Ça a changé. On va avoir une guerrière. En tant que général, ça change des beaufs. Des. Hein? Non, je. J'ai rien entendu, moi. Voilà. Si vous voyez qu'on a quelques troupes en plus, on a. Ouais, c'est pas des masses. 5 plus 5, on a 10 troupes. 10 contre 10 avec un peu de cavalerie. Ça peut le faire, hein. Je suis confiant. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pris Condat. Pourquoi il est tout seul lui? Ah non, il s'était rentré dans notre confédération. Ouais, voilà, il y avait ça. Les Lexoviens, Lexoviens, Lexoviens qui sont en guerre face aux Atrébar. Ils veulent pas. Corps commercial, ils veulent pas, ils veulent rien. Ouh, c'est normal, on s'entend pas bien avec eux. Hein. Ok. Les Nerviens, on se demande s'ils vont pas venir nous embêter un peu. Accès militaire, les Éduins, oui. On était devenus un peu plus copains, eux et moi. Ils demandent du bien, bah, ils auraient pu faire. Les Vennettes, vous allez se préparer à agir contre la cible ciblée. Impeccable. Eux, je vais pouvoir. Retirer voilà, les mercenaires, recruter vite fait quelques guerriers celtes. Ça coûtera beaucoup moins cher à l'entretien. Beaucoup. Beaucoup moins cher. Jargovie, on peut rien faire. Pictavis, on peut rien. J'y en viens. Transalpina, allez, on va faire un peu de voiture. Putain, le con, il m'a tellement collé que je peux pas changer. Mon mode, oh c'est terrible ça. Ouf. Adopter là. Allez, on adopte tout ça. Je sais pas s'il y a une création de nouveaux partis, je crois pas, mais on sait jamais. Le chef d'une tribu vaincue est arrivé sur nos terres et recherche la protection. Bah si on l'a vaincu, il faut protéger les peuples que l'on a vaincus, quoi. C'est la base, je sais pas. Enfin, non, c'est pas la base, mais c'est la base dans ma manière de penser, donc. Si t'as roosté un peuple, là, tu le défends quoi. C'est ce que je pensais. J'ai des troupes qui ne font pas grand chose. Enfin, des agents qui ne font pas grand chose. On continue de leur voler de la nourriture. Ah, ils ont plus de pertes d'usure. Ah. Ça c'est pas cool. Eux, ils ont pris un petit peu cher, il faut attendre. On va aller sur leur capitale, on y est dans deux tours. Ils ont pas tant de troupes que ça. Les Dumnoni? Ah, ils ont pris Crociate autonome. Ok, d'accord, ils ont fait un débarquement chez nous, pourquoi pas.
pensais pas. Bon, bah, ok. Ici, ça va être agraire. Là, je pouvais pas bouger. Et là, ça va le faire. Il n'y a plus de Romains, hein, ici, on est d'accord. Ok. Là, je sais pas s'ils ont repris cette province ou non. J'ai pas de vision. On verra. Les monts du bien réattaquent, mais je m'en fous un peu de cette province. Enfin, je m'en fous un peu de cette cité. Thanabom, je l'aurais repris et... ils peuvent piller, genre, on m'en fout, je fais pas de travaux dedans. Ah, c'est bien, j'ai gagné un personnage important. Oh, bon, c'est toujours ça de prix. Taux de recherche, je prends. Taux de recherche, je prends. Ok, alors. On profitait pour... Oh la vache, ça c'est puissant. À travers la brume, je vois des crabes ennemis géants. Ouais. Des dégâts énormes, aïe! Allez, taux de recherche, voilà, vraiment taux de recherche. Ah, j'aurais pu le mettre là, le mec avec tes dégâts énormes. C'est pas grave. Alors, je vais juste l'adopter, lui. Hop là, merci. Bon, il bouge, il a bougé. Il a bougé. Je vais pouvoir avancer. En embuscade, bien évidemment. Peut-être aller sur Génuard. Mais avant, on va aller sur Dario Ritom. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, équilibré, c'est là où on a moins de pertes. Ça nous donne du fer. Ça, c'est ultra cool. Papier. Même si c'est. Ça aurait fait pas mal d'argent. Je vais pas les piller. Condat. Ça, je m'en fous. Je vais le changer. Je vais faire ça. Ça, c'est parfait. Ça, je vais changer. Ça, je vais changer. Ça, je vais. J'ai pas le choix. Et ça, je vais faire un marchand d'esclaves. Et je ferai un peu plus tard un oppidum commercial. Industriel. Commercial, j'en sais rien. Là, on échange deux places. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Si il a pas la portée, là, on est d'accord. Il n'a pas la portée. Et là, la question, c'est... Quelle est technologie? C'est ça. Ok. Ça va me coûter cher, mais ça va être très sympa. En plus, ça va m'améliorer... Enfin, permettre de débloquer les derniers... Le dernier stade du bâtiment pour les cavaleries, donc qui est l'élevage de chevaux. Ça, on est d'accord, il vient de bouger. Hein. Oh. Ça coûte combien? 500? Ah ouais, c'est pas donné. Ok. Là, ça a bien amélioré les armes et le bouclier, les armes et les armures, pardon. Oh, ça fait du bien. Les Carnac sur l'an. Qui ont gagné un niveau. Oh, les héritiers des Brennos. Plus de pillage. Bon. Ouais, bof. Hein. Ah, il n'y a que ça, je suis pas. Plus de morale pour toutes les unités combattant en territoire étranger, ça c'est bien. Juste pour, allez, ouais, juste pour le pourcentage de morale, quoi. Ah, après, il y a de la compétence d'attaque en mêlée. Ok.
Merde. Je l'ai pas vu venir ça. Ah, je l'ai pas du tout vu venir. Il y a la porte ouverte. Il a totalement la porte ouverte chez moi là. Faire que 5, ouais. Bah, je vais recruter ici. Ah, je vais avoir de la perte ou pas dû à l'hiver. Ouais. Ah, j'ai de la perte. Ah, oh, terrible. Là-bas, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Ah, oh, zut. Oh, ils ont de la chance. Et là, à cause de l'hiver, c'est galère. Et là, je peux sans perte. Oui. Je n'ai pas encore de garnison, ça c'est terrible. Faire ça, et là il y a quoi qui pourrait être sympa? Ah, c'est divertissement ça, ah, c'est moche. Ça, un fabricant Carnix. Ouais, il y a les garnisons, mais eux là, s'ils débarquent, ça risque d'être compliqué. Je peux faire que ça. Hein. Polentia s'est fait prendre. Là, je suis obligé de suivre la route, sinon je vais prendre des pertes. Si je sors à peine du chemin, ça me faire mal. Et là, je peux pas défendre. Et ça, c'est terrible. Là, j'ai rien. J'ai personne pour défendre. Aïe, aïe, aïe. Je peux essayer de rétablir l'héritage, au pire, ici. Si mes balistes sont efficaces, je vais essayer. Là, s'il veut attaquer, il peut attaquer. Normalement, je pense qu'il est à la portée. Ah, c'est terrible. Et pourtant, je leur envole la bouffe et des trucs comme ça. Hein. Mais bon, là, dès que j'aurai réussi à avoir l'armorique, la Bretagne. Alors. Voilà, oui, pour ça. Mais là, il veut pas. Non, bon, bah d'accord. Traité de paix. Après, là, il a du rouge ici. Hein. Je vais dire oui et de toute façon j'irai le chercher juste après. Là je suis pas en mesure de refuser en fait. Là j'ai vraiment pas le choix, c'est humiliant mais c'est comme ça. Je vais recruter quelques bretteurs d'élite. Et par contre je vais lui faire la fête, hein. La vengeance ça sera terrible. Elle sera terrible. On va les piller un petit peu les villes romaines quand même, jeunes. On va les piller. Il n'y a personne en plus, hein. Quelques unités de garnison, mais rien de bien. Alors je vais m'avancer. Ouais. Ouais. J'ai bien fait de pas trop m'avancer. Hein. Je vais faire une embuscade.
Et au cas où. Oui, mais il va forcément passer par là pour aller essayer de reprendre Palencia. Je peux pas voir tout ce qu'il a comme troupe. Je vais faire une position fortifiée, je préfère. Oh, je sais pas cliquer où il fallait. Ok, fanatique, allez. Si jamais César veut nous attaquer, qu'il vienne. Ça va lui faire bizarre, même s'il a ramené des renforts, il n'y a pas de baliste. Il passera pas normalement. En plus j'ai des lanciers d'élite. Ah bah il y passera encore moins. Quelques unités à distance. Deux javelots, un frondeur. C'est tout. Il a énormément de cavalerie. Pardon. Mais la cavalerie, ça va lui servir à rien. Contre un fort. S'empêcher d'imiter la meilleure des vengeances. C'est très philosophique ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile. J'ai 5 dépouillables? Ok. Allez, on fait sortir tout le monde, comme d'habitude. Vous commencez à savoir. Les pieux. Ici, parce que la cavalerie est passe. Derrière, je mets des pierres coupantes pour ralentir les unités. Ici aussi. Je l'ai pas mis. Ouais, une petite différence de couleur. Bref. Hop, des barricades. Juste pour ralentir. Oh, quoique j'ai eu de pierres coupantes. Ouais, pour les tirs, on va dire, des unités à distance, on sait jamais. Là. Essayez de faire ça bien. Ouais. Là, je mets deux unités en long pour essayer d'attirer les tirs. Le tir de frondeur, javelot, etc. Hop. Là pareil, et j'ai juste à garder 3 unités. De toute façon, je peux pas aller en faire autre chose. Ah si, je vais être obligé d'en faire autre chose. Je vais être obligé de les mettre là. Il y a de la cavalerie. Et la cavalerie, elle aime bien des fois aller sur le côté comme ça. Et pareil pour le dernier. Je vais le mettre ici. Tout pile. Voilà, mur des boucliers. Bon, ils sont pas encore. C'est pas un beau mur, mais est-ce qu'on peut. Et ici, ouais, parfait. Ah, on va pas les bouger plus apparemment. Est-ce que je mets des rafales d'explosifs? Ouais, je vais mettre en rafale explosif. Ils ont un bon rang d'expérience. Ils sont rang 5. 2 argent, 5. En profiter. Ah, ils peuvent mettre des unités un peu avancées. Ok. Ils peuvent déployer des unités en embuscade apparemment. Alors, où vont venir? Il y a des renforts ennemis là-bas. Je vais ressortir ma cavalerie, je vais la mettre là-bas. Alors ça m'arrange pas du tout par contre. Ça va faire que je vais être obligé de faire venir ces unités-là. Sinon, ça va être terrible. Une unité pour défendre, c'est pas assez. Là, voilà leur cavalerie, bah. Pauvres, ils se font fumer quoi. Hop, d'ailleurs, en parlant de ça, mes unités, toutes sauf les cavaleries. Hop, vous êtes en mode garde. Attends, qu'est-ce qu'il fait lui?
Alors, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas pourquoi. La cavalerie mercenaire, je sais pas ce qu'il fait, mais. Il va très vite le regretter. Hein. Hop, pas besoin. Vous avancez pas plus, les mecs. S'il veut charger, qu'il vienne. Attendez-le, c'est tout. Hop là. Voilà, et s'il veut pas charger, qu'il ne vienne pas. Je vais pas jouer avec lui. Là, c'est ça le problème, c'est que je me prends des tirs de eux. Hop, donc les frondeurs. Je veux tous les archers sur les frondeurs. Rechargement au maximum. Parce que là, ils tirent sur le côté, sur mes batteurs d'élite, et ça, j'aime pas. Voilà, ça va leur faire bien les jambes, les pieds, ce que vous voulez, des trous. Ah zut, je l'ai pas vu assez tôt. C'est pas grave, on va faire le tour. En général, c'est pas ça qui va lui poser trop de problèmes. Bien faire le tour là, il va être content. Il va m'avoir trouvé. Alors, hein, par contre, tu vas pas te barrer comme ça, mon ami. Ah bah alors là, je peux dire que tu vas vite regretter ta connerie. Morale en berne, tu m'étonnes. Alors, il reste une unité là-bas de tirailleurs. On va décocher tout ce qu'on a. Si vous pouviez éviter de faire feu dans le tas, vous, ça m'arrangerait un peu. Merci. Il est déjà fini, hein? Ok, fini. Ils vont encore à corps. Allez, là, je veux des tirs en cloche. Et vous me zigouillez ces 60 péons. Voilà, petit à petit, ça se fait bien. Ici, ça tient. Bon, y a pas de surprise. Voilà, et là, on envoie les autres unités ici. Je vais prendre ma cavalerie et je vais leur demander de foutre le feu à ça. Ils prennent bonne perte grâce aux archers. Pourquoi je veux pas charger? Parce qu'il y a encore un peu de pieux. Même s'ils ont pris pas mal de dégâts. Oh, ça s'enflamme bien, dit d'un coup là. J'avais pas le souvenir que ça s'enflamme aussi bien. Hop là, on m'a dit. Rapide, efficace. Alors on va bien reculer. Voilà, juste histoire de bien casser. Ça leur fera des dégâts. Oh, vous avez vu là tout ça là? Oh, ça leur a fait bien bien mal. Là, il y aura un peu moins parce qu'il y a moins de personnes autour. Mais ça leur a fait bien mal. Presque plus de munitions, c'est parfait. J'ai des pertes ici. Ouais, mais ils ont pris des tirs de côté. Forcément, ça fait des pertes. Je vais me mettre en formation coin. Et je vais les balancer sur... Ouais, ici. Ouais, ici, allez. Allez, tout le monde charge. Ouf. 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 Ouf, ça fait mal. Alors, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont pas vraiment aimé. Hein. Là, bien évidemment, on cherchera à resserrer. Il est où leur général? Ah, il était à cheval.
Et voilà, et là on va aller chercher. Hop là, ouais, y a une première vague qui a fui. On va reculer, on va refaire une belle charge. Et là, ça va leur faire très mal au moral. Ils sont maintenus. S'ils se retournent, ils sont foutus, hein. Allez, je veux tout le monde là sur la charge. Oh, il y en a quelques-uns qui vont s'empaler. Pas plus que ça. Morale en berne. Très bien. Ici, comment ça tient? Ça va. Lui, ils servent à rien. Je vais faire le tour avec eux. Je vais les envoyer se vider leurs munitions là. Et foutre le feu aux barricades, pareil. Ils ont encore un moral qui tient, je sais pas trop comment, mais ça va pas tarder à partir en vrille. Hop là, ici, je vais décaler un peu mes unités d'archer. Allez les mecs, on fout un coup de pression là. Oh merde, on les piquait. Les bipieux, je veux dire. Hop, foutez-moi le feu là. Ils tiennent bien quand même, hein. Ils tiennent bien les salauds. Allez, mettez-moi le feu à ça. Allez, petit dernier, merci. Hop, même principe là. Par contre, je retire le mode feu à volonté. On attend qu'il tombe au niveau là. Bah, tous ceux qui sont autour de ça tombent naturellement quand ça va casser. Ça va se tuer naturellement quand ça va casser. Et juste après, hop là, voilà. On lancera nos projectiles. Et ils tiennent hein, quand même, hein, salaud. Bientôt cassé. Ça va bientôt casser. Voilà. Et là, on peut vider nos munitions. Ouh, voilà. Hop là. Salut les gars. Vous allez bien? Je crois qu'il y a deux salves en tout. Deux salves par unité. Hop. Deuxième lancé. Et ouais, ils ont pas aimé. Hein. Il y en a encore quelques-uns qui ont gardé. Là, c'est en train de partir. Là-bas, c'est parti. Hop là, allez. On poursuit les unités. On fait, on n'oublie pas cette bataille pour pouvoir avoir plus d'argent, se faire de l'argent sur du pillage, etc. Donc, plus on a d'unités capturées, plus on peut en faire des esclaves ou autre. Hop là, alors, hop, toutes les unités corps à corps, on va les remettre dans le camp ou devant le camp, hop là. On va pas gêner. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Ah ouais.
Vous voyez là, les pertes, là, les pertes sur mon général, je crois c'est 100% ou alors presque 100% des tours à flèche. Ça c'est terrible. Ok. Je pense que ça devrait être bon bientôt. Oh, quoique là. Eux, ils ont été laissés tranquilles, étrangement. On va aller chercher. Petit général là. 215. 188. 240. 200. 250. C'est bien. Et 188. Essaie d'avoir 190. C'est pas lui? Bah, tu les auras pas, les 190. Tu te les ai fait chiper au nez et à la barbe. Allez, on va pouvoir quitter la bataille. C'est une victoire décisive. Nous avons eu un cinquième de notre armée en perte, mais on leur a fait perdre beaucoup plus aux Romains. Et on a la route, je pense, de Gênes qui est tranquille. Ah, on n'aura pas blessé César cette fois, tiens. J'ai eu de la chance. Un peu d'esclavage. Voilà, il va à Gênes. Il va pas à Gênes, il va juste à côté, en porte de Gênes, ça c'est bien ça. Ah mince, sérieux? Ah zut, j'ai pas vu. C'est pas grave. Alors, on a moins de revenus, c'est l'hiver. Tout ce qui est revenu agraire, bah il n'y en a pas. Agricole, agraire, je sais pas. Un petit pillage, on va aller du forme. Peut-être avoir de la perte, non? Oui, peut-être. On va voir. Hop, oh bah Jules César dit, tu t'es foulé la cheville, ça se passe comment? Bah, j'ai pas de perte, c'est parfait. Un petit pillage, dans les règles de l'art. On a pillé 2000. Ça me va. Attends, quoi? Je peux pas aller plus loin. C'est quoi ce délire? Je vais refaire un petit. En fait, je suis coincé par la ville. Je suis pas assez loin. Et on va raser. Hein. Je peux pas piller plus. Ah mince. J'ai des conquêtes? Non, normalement, j'ai pas de conquêtes si je rase. Oh merde. Alors si. Mais c'est pas ce que je veux, moi, prendre de Gênes, en fait. C'est pas du tout. On va laisser les bas quartiers, on va faire en sorte qu'ils les reprennent. J'espère. Oh mince, c'est pas du tout ce que je voulais. La Liguria m'intéresse pas. C'est bien, sauf qu'on a fait le soutien de l'aristocratie, ça c'est cool. Bah et quoi, Rouillon? C'est bien ça. Rituel des pierres. Plus de conversion culturelle et plus d'unité de diplomatie avec les factions celtes. Et là, toi, je t'attends. Tu sais que je t'attends en plus, tu le sais très bien. Comme ça, on peut dissoudre. J'aurai moins de problèmes de revenus. Cause des mercenaires, lui je continue à lui voler tout ce qu'il a, rien à foutre. Ah ouais, c'est vrai. Y a pas un truc du pillage ou quelque chose comme ça? Non, bon bah, maître bretteur et pillage. Je vais améliorer les archers parce que je peux. Parce que je peux le faire. Rituel des pierres, moi je m'en vais à Massilia. Oh, il y a une belle portée quand même. Hop là, une faction émerge. Médiomatrique. Ok. Bah, c'est les Suèves qui arrivent. Les Suèves, ils viennent, ils rigolent pas.
améliorer les troupes ici. Hein. Ah, ils ont repris un niveau. Attends. Au lieu d'améliorer celle-là, on va peut-être améliorer celle-là alors. Oui. 1200? Oh. Ah ouais. Ah, les frondeurs, ils ont amélioré leur fronde. Alors, je sais pas avec quoi. Mais. pas de suite, mon ami. Par contre, si tu veux rejoindre ma confédération, il n'y a aucun problème. Regarde, je te propose même un paiement. Tout ce que j'ai. Hein. Dommage. Par contre, c'est pas passé loin. Ouais, bah les bas quartiers, ça me consomme vachement de bouffe à gêne. Ouais, ma ferme bovine. J'ai tellement peu de nourriture là que j'ai 3 de nourriture, les gars. C'est terrible ça. Ça m'en consomme. Moins 6, moins 6. Je suis à moins 24 avec Gênes. Vite qu'il va falloir qu'il reprenne sa ville. Sans deck. Bon. On va faire ça. Ouais. Incessamment sous très peu. Hein. C'était 1002 si je me trompe pas. Ouais, 1002. On est en quoi? Début mars? Fin mars ou début avril? Que l'hiver passe. Je sais pas, moi on m'a toujours dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alliance défensive. Ah bah il me refusait contre de l'argent et maintenant il l'accepte. Donc oui. Rébellion à Gênes, oui ça me va. C'est bien. C'est bien parce que là, Ah, ils sont là, les rebelles italiens. Ils se sont fait chasser. Mais là, Rome, ça lui fait pas plaisir d'avoir moins 24 de bouffe. On va organiser un combat comme d'habitude. Moins 24 de bouffe, je peux vous dire. Ça va lui piquer un peu. Hein. Ah ouais? Il tient ça tranquille? Ok. Alors, on lui envoie peut-être de la nourriture de Rome. Hein, 5% de richesse provenant des fermes agriculture, toutes les régions. Ah ouais! Ah la vache! 25%, c'est énorme! Bon bah ce sera début avril apparemment. Bon eux. Ça me paraît quand même bizarre ce qu'ils viennent faire ici. Donc je vais améliorer ces unités-là et je vais en recruter d'autres. Il me manquera deux et on pourra aller. Là, oh. On va même passer en rang 3 la ville. Intéressant. Eux, ils sont revenus. Ils vont guérir. Mais je serai content, je serai allé piller Rome. Bon, il a repris Polentia. J'espère qu'il va pas repasser par là. Échoir à grain. Un petit potier. Allez, voilà. Bon, c'est le printemps, enfin. Pas de route? Oh, c'est terrible, il n'y a pas de route. Je suis en train de me faire voler de la bouffe par les Dumnoni. Ils vont connaître de quel bois je me chauffe, moi. S'ils continuent comme ça. Je leur montrerai de quel bois je me chauffe plutôt. Ouais. Alors là, si je fais ça, je fais une petite embuscade. Est-ce que je perds la ville ou pas? On va voir, mais dans tous les cas, je reprendrai juste après, donc c'est pas un souci. Alors, je vais juste vérifier. Tout le monde vole bien ici. Hein. Ouais, il n'y a pas de chômeur, il n'y a pas de tir au flanc, c'est bien. Bon.
pourquoi je dis chômeur, tir au flanc, oui, c'est beaucoup plus approprié. Oh, il est en train de se faire prendre des villes. Ah non, même pas. Force d'invasion débarque. Oh, c'est étonnant. Salut à toi. Enfin, salut à vous, les hommes lumineurs. Comment vous allez? Vivant, des bruits qui courent. Hop, allez. Quelques esclaves. Eh ben, il va loin, hein, dit, hein. Quand on le bat, lui. Voyons voir. Ouais. Attends, c'est cher par contre. Hein. Ah ouais, c'est 8000 la recherche. C'est... Ouais, c'est pas donné quoi. La vache. Ah, il verse pas d'huile. Ah ouais, bah non. J'ai vu un truc, j'ai vu utiliser la formation tortue, j'ai du mal voir. Pré-siège, tortue, ah oui d'accord. J'ai vu tortue, dans ma tête ça fait formation tortue. Ouais bah non, non. Pas du tout. Là on est bien. Hop, on va leur demander d'aller sur leur roi. Lui, on va aller à Darioritum. On va prendre Vorgion. Ils sont beaucoup, ils sont pas beaucoup. Résolution automatique. En agressif. Hop. Fais gaffe à ta jugulaire, t'en as perdu un morceau. Et j'occupe l'entièreté de l'armorique. Voilà. Hop là. Hop là. Comme je disais, je vais en faire une province minière. Industrielle. 6% de richesse grâce au bâtiment industriel, on va faire ça. Là j'ai pas encore ce qu'il faut, mais ça ne saurait tenir. Je vais vraiment les foutre dehors. Non ça va, il n'y a plus son espion. Ok. Je vais pouvoir recruter les dernières troupes de cette armée. Voilà. Beau parleur, impeccable. Et là, je vais recruter quelques belles petites armées. Et aller embêter les monts du bien, qui m'ont bien embêté aussi pendant un moment. Je sais pas si ça passe là, si j'y vais ou pas. Ah, défaite de justesse, dommage. C'est pas grave. Industriel. Ah c'est vrai j'ai des chiens sauvages. Ouais mais ça me sert pas trop contre Rome. C'est un peu tard, c'est bien en début de partie mais là c'est un peu tard. Ma question c'est est-ce qu'il... Prennent des pertes. Oui, ils prennent des pertes. Je pense que ça devrait être bon. Allez, direction Condat. Ah, mais j'ai des troupes de partout, c'est fou ça. Hop, toi. Tu vas aller à Nemosos. Rome, Rome, Rome. J'espère qu'il va pas repasser par là. Sur... Ouais, bon, il y a un espion, c'est pas un problème. Oui, il va rattaquer le Polentia. Ah, bah ils ont repris le Polentia. Oui, c'est pas grave. Lui, il est en train de piller parce qu'il a que ça à faire. Il a tout perdu.
vie pour servir le peuple de Gaulle. Vous appelez ça une guerre. Voilà la direction qu'on date. On va inverser les troupes. Là, il manque juste la cavalerie. Ok. On va quand même construire nos bâtiments. C'est pas donné. Oh la vache. L'oppidum industriel, ça, j'en veux pas. Ça, fabricant de trompettes. Ça me consommait de la nourriture ici, hein, par contre, hein, cette province. Vraiment beaucoup. Voyons voir, mon ami. Oui, c'est bon. Tu as toutes les troupes qu'il faut. Toi, pour t'améliorer, tu es tout seul. Toi, j'ai personne. Toi, il y a tout le monde. Et toi, ouais, tout le monde. Ton prochain, on va inverser ces deux armées. Quoique, je vais pouvoir faire venir eux là. Ouais, ce sera mieux. Ah oui, toi, t'es le général. Nedumnoni. Ah, c'est étonnant, dit. Je vous ai pas vu venir. C'est dingue, ça. Bon, ils vont prendre une ville peut-être, hein. Même pas. Bon, ça m'embête parce que je vais devoir traverser la mer pour aller leur fracasser la tronche. Et ça, ça me fait un peu chier. Même. Hop là, bon, allez. Allez, marche forcée, les gars. Je sais, c'est pas drôle, mais j'ai pas le choix. Et direction leur petit village de pêche là-bas. C'est embêtant, mais bon. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il faut de la nourriture. Tac. 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 J'ai vu que j'avais un. Ça coûterait combien ça? On va faire ça. Voilà, j'avais ça. On va faire un puits. Et je vais faire une source sacrée. Pour avoir un peu plus d'ordre public, de la croissance. Ça va m'aider. À moins que j'ai quelque chose d'intéressant ici. Ah, je pourrais faire un sanctuaire de Rosemerta. J'ai rien d'autre hein, pour les richesses industrielles. Oh si. Sanctuaire de toute Atis. Oh là là, j'ai du mal à parler ce soir. Le sanctuaire de toute Atis. Allez, c'est reparti. On va refaire un sanctuaire de toute Atis. De toute Atis. Mais. C'est terrible. Terrible. Je ne sais plus parler. La lance défensive, non. Parce qu'il est en train de se faire maraf par les Sueves. Et je vais pas les aider. Ok, il y a eu un agent ennemi qui a réussi à. Alors, je sais pas quoi. À mes troupes, c'est dommage. Ça a voté les réserves de mon armée, donc je vais moins pouvoir avancer. Je vais continuer à avancer, mais en embuscade. Au moins, il m'a pas dissous des unités. Ça, c'est le principal parce que c'est chiant. Mais là, un chiant. Hop là. Bon, ils vont mourir naturellement. J'ai fait quelque chose ici, je sais plus quoi. Ça, c'est bien. Hop, allez. Là, on est prêt. On va intervertir ces deux-là, là. Qu'ici on peut recruter également. Alors je vais attendre parce que si je dis pas de bêtises, cette tour ouais, j'aurai des belles unités de cavalerie, donc je recruterai la cavalerie en dernier. J'arrive pas pour les soirs. Hop, 4 archers. En attendant, au niveau nourriture je suis à 10, c'est pas terrible. Mais c'est mieux que rien. Il y a une pénurie de nourriture sur nos terres. Ah c'est marrant, j'étais à plus 20 et là je suis passé à moins 7. Ah c'est...
Ah, il s'est fait piquer ses territoires à tous les coups, lui. Non, même pas. Ben non, mais les espions, ils volent bien. C'est bizarre, ça. Qu'attendez-vous de moi ? Bienvenue. Comment puis-je vous aider ? Ouais. Ouais, j'ai trop fait de... J'ai dû trop faire de bâtiments. C'est comme ça, c'est pas grave. On va recruter un autre voleur de nourriture. Et je vais attaquer eux. Ah la vache! La vache! Ah ouais, j'étais pas prêt là. Et tu, vous avez vu toutes ces troupes? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors, déjà, on a quelques soucis de bouffe, donc. On n'est pas quelques-uns qui traînent, qui sont pas. Je peux pas les envoyer en diplomate ou quoi que ce soit. Si j'en embauche un là, genre. Genre toi là. Que je te dis Ok, je vais t'envoyer en Armorica. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Putain. Ah, c'est même pas assez. C'est terrible. Ah, c'est terrible ça. Ok, je peux développer tous mes rouillons. Ça, c'est une bonne chose. Je vais le faire en priorité. J'ai vraiment tout dépensé là? Comment, où est-ce que j'ai dépensé mes thunes? Je vais faire des rouillons au rang 4 parce que là. Enfin, des champs, des fermes. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais on rang max parce que là, c'est. Ah, ils sont tous en train de crever de faim là partout. Oh, c'est terrible! Bon, les Dumnoni, il va y avoir une petite bataille, je pense, qui va se faire. Ah, Non, même pas. Oh. Non, mon ami. Désolé, mon ami. Rejoins ma confédération. Ah bah, il m'a dit oui. Ah bah. Est-ce que il m'apporte un peu plus de nourriture? Oui. Voilà, royon, 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 partout où il y a de la bouffe. L'armorique. Ah bah, c'est pas de suite, vous bouffez trop de trucs. Ok. Là, je vais pouvoir refaire un sanctuaire de Tantatis. De Tantatis. Ah oui, d'accord. Ah, regardez! Bande de lâches, il fuit. Je crois que j'ai pas la portée, j'ai pas la portée. J'ai pas la portée, mais j'ai la portée pour ça. Ils ont totalement fui leur territoire. Et vu que j'ai pas le temps de m'en occuper, je vais libérer le peuple qui était présent ici. Les Unels. Et eux-mêmes vont taper sur les Dumnoni. Et ils vont m'arranger. Ça va bien m'arranger les unelles qui sont défensifs et fiables en plus. Parfait. Accord commercial. Et je vais pas leur prendre de thunes histoire qu'ils recrutent plus vite leur armée. Les monts du bien, bah tu m'étonnes, on n'est pas content. Alors, je vais m'arrêter juste ici, sinon je vais mourir de faim. Zut. Ouais, si je passe la frontière là, ils vont mourir de faim mes unités là quand même. Et là, va falloir aller chasser les Dumnoni. Ça va pas être cool. Ok, ils ont essayé. Ça c'est bien. Mode agressif, résolution auto, ça va passer.
Ah, bien évidemment en esclavage. Soit je mets en esclavage, soit je tue, sinon je vais moins bien m'entendre avec les. Avec la faction que je viens de libérer. Rapport d'usure, ok. Bon alors, bonne nouvelle. On perd plus de bouffe. Voilà. Mais le problème, c'est que le mieux c'est libérer, ça fait beaucoup d'argent, mais j'ai mal m'entendre. Avec. Comment il s'appelle les Unelles, oui. Ouais, moi je veux bien m'entendre avec les Unelles. Hop là, allez, on continue. Voilà. On lui aura pourri une ville, deux armées complètes. Alors, on tue les captifs. Et là, direction Namnetum. Et c'est avec eux que je vais finir les vainqueurs d'Ebrook. Parce que Vercingétorix, là, il vient de mener trois batailles assez compliquées d'affilée, de manière consécutive. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu dur pour ces troupes. Ils sont un peu fatigués, là. En mode, on a quand même perdu pas mal de copains, là. Ah oui, effectivement, excusez-moi les gars. On va ralentir un peu là. Alors. Nourriture. Ici, on s'en fout des chevaux. Ici. Je veux des fermes à gogo. Ici, j'ai pas le choix. Ok, j'ai pique de vis, j'en ferai aussi également. Il n'y a pas de Romain ici. C'est bon, Polentia, le passage, il est bon. Ok. Bon. Je pense qu'on n'a pas de lien de sang en plus, donc on peut même pas. Ouais. Ce chat, attends, ça veut dire que les Unels, ils sont même pas en guerre contre eux? C'est une débilité. Viens m'aider à rejoindre la guerre, toi. Hop. Regarde, proposer. Proposer sans sang. Il veut pas. C'est bizarre quand même. Je les libère d'eux, mais ils sont pas. Oh. Faudrait que j'aille chercher aussi, sérieusement. Je vais lever une flotte. Je vais aller chercher, ouais, j'ai pas le choix. Adigna. Je suis frénétique. Ok, bon, il m'embête plus déjà. Ouf, zéro de nourriture. Zéro. On n'est pas dans le négatif. On n'est pas dans le positif non plus, mais on n'est pas dans le négatif. Est-ce que ça passe? On sait jamais. Oh, tout pile non. Avec un mercenaire, ça devrait passer, non? Avec un mercenaire, ça passe. Sinon, il n'aurait pas fui. Par contre, il a fui où Oh la vache, sérieux? Hey, marathon, c'est pas toi, mon gars. C'est toi qui a fait le marathon. Hein. Alors là, il a fait je sais pas combien de fois le marathon, d'ailleurs. Ok, alors. Non mais. Là, tu me dis si je te gêne. Hein. Je sais même pas comment il a réussi à passer par là-bas, quoi. Là, vu que je suis en manque de. Enfin, que j'ai pas. Oh là, non mais. Oh, ça va, ou la connerie. Bon, je disais, là, je suis en manque de nourriture, mes unités ont. Bah, se reconstituent pas bien, forcément. Allez, on va faire une sente. Ici. Regardez-moi ça, il s'est encore fait fumer là-bas. J'en étais sûr, je l'ai vu venir gros comme un camion. Gros comme une montagne, je sais plus.
Les deux, gros comme un camion dans la montagne. Faire une auberge de guerrier ici. Et là, et là, et là, faire une offrande votive, faire un sacrifice. Pour avoir une bonne chasse. Ouais, parce qu'après je sens le truc du... Ouais, vous avez moins de nourriture. Ça m'intéresse pas. Non, non, ça m'intéresse vraiment pas de pas avoir de nourriture. Par contre, attends, c'est une dinguerie ça. Ah, voilà aussi, je me disais. J'avais 36 millions de troupes. Hop là! Par contre, il est... Il n'y a plus de gravitas. J'ai vu bouffer toute sa gravitas à adopter des péons. Bon, bah, il y a Rome qui est là. Oh non, faut pas qu'ils aillent sur un abomartus. Pénurie alimentaire, mais non, ça revient. Oh, ça part et ça revient. Attends, mais c'est encore 16 ans en plus. Mon ami. Mon vieil ami, mon vieil ennemi, mon... Tout ce que vous faites au plaisir. Ah oui, non, mais si tu m'étonnes, si je fais des villages, ça va consommer aussi. Non, c'est pas grave. Là-bas, hop là. Ça va juguler avec, avec tout ce que j'ai préparé là. Il est en train de partir sur les Limnonies, je suis pas fou. Non? Si, peut-être. Allez, dis-moi que ça va passer. Ah, oh, il va en mer profonde. C'est terrible ça. La vache, non mais. Ça. Allez. Allez, par contre, résolution en agressif, il faut pas qu'il y ait de survivants seul. Oui! Enfin, nous sommes venus au bout de ces venettes. Nous avons conquéri l'ensemble de l'Armorique. Donc les Namnettes et les Vénettes, il n'y en a plus. Ah, ça fait plaisir. Oui. Je m'en fous, hop. Voilà. Ouf. Bon allez, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Il est déjà assez long. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. On aura enfin fini. On en aura enfin fini et à peu près stabilisé l'Armorique. On aura rousté les Dumnonis en dehors de Lutèce. De la Lutetia. Et là, on doit faire face à encore un. Jules César qui aime bien se balader dans le coin là. Massilia, j'ai quoi? J'ai quelques brettes roqueuses. C'est mieux que rien. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve, je sais pas du tout combien c'est, bientôt pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.